Je vais vous raconter l'histoire d'un bon ami à moi. Et pour y ajouter un côté angoissant, je vais prendre ma voix la plus grave et la plus rauque. Vous l'aurez compris, c'est ici qu'habite Brian. Non, nous ne sommes pas en Europe de l'Est, mais bien en France, à Grenoble. Et c'est là, au pied des Alpes, que l'aventure commença pour Brian. Pour fuir l'hiver qui arrivait à grands pas en ce mois d'octobre, Brian avait décidé de partir vers le sud, loin, pour la route, rejoindre la Catalogne, y traverser les Pyrénées, descendre à Gibraltar, longer la Costa del Sol et entrer gentiment à la maison. Les grandes lignes étaient tracées, mais l'itinéraire précis s'improviserait chemin faisant. Ça, c'était ce que Brian avait planifié. Évidemment, ce n'est pas vraiment comme cela que les choses se passèrent. Brian ne partait pas tout seul. Il partait avec elle. Elle était belle. Elle l'attendait là, fidèle, préparée, liftée, bichonnée, Honda, Transalpes. 650 cm cubes, 55 chevaux. Elle était fin prête. Brian avait peur. Il ressentait une certaine inquiétude concernant les imprévus, les risques et les dangers qui l'attendaient sur le trajet. Collision, chute, panne mécanique majeure, enlèvement, tsunami ou attaque de dragons, météorites. Les raisons de s'inquiéter étaient nombreuses. La machine était maintenant lancée. Trop tard pour renoncer. Yeah.
Pour son tout premier bivouac, Moyane pensait avoir trouvé le lieu idéal. Isolé avec une vue imprenable, c'était prometteur pour passer une bonne nuit réparatrice après ses 9 heures de moto quotidienne. Si la nuit fut effectivement douce et sereine, le réveil, lui, fut quelque peu angoissant. Et ce matin, aux aurores, quand Brian ouvre l'œil, les chasseurs de galinettes avaient la gâchette facile. Les balles sifflaient, les détonations semblaient se rapprocher. Pour éviter de se prendre une balle perdue, c'est en toute hâte que Brian pliait campement. Pas le temps de profiter de la vue, il fallait dégager d'ici et vite. Qu'il fut sorti de la zone de danger, que Brian constata qu'il n'était pas passé loin du drame. Le réservoir de la moto témoignait du danger de la situation. La Transalp portait maintenant un stigmate plutôt inquiétant, un trou de balle. Ou un impact de plomb, si vous préférez. GPS pour Brian, c'était son choix. Choix qu'il regrettera un peu plus tard d'ailleurs. Il préférait les cartes en papier. Il embrassait d'un coup d'œil les courbes évocatrices d'une départementale. Il pouvait les suivre du doigt et ressentir de manière tactile, presque sensuelle, les promesses d'un itinéraire pour fuir l'autoroute.
Alors, Brian, on galère. Du vent, écouter de la musique est assez inconfortable, voire impossible. Sur de longs trajets, cela peut finir par manquer. Alors, encouragé par l'acoustique flatteuse d'un casque intégral, assez proche de celle d'une cabine de douche, Ryan se laissait parfois aller à pousser lui-même la chansonnette. Sur des tronçons moins exigeants en pilotage, la concentration de Brian pouvait baisser et son esprit s'échappait quelque peu. Son cerveau portait moins d'attention à la route qui défilait devant lui et Brian réfléchissait à toutes sortes de choses diverses et variées. Il pensait à la vie, à la mort, à la guerre, à l'amour, mais pas uniquement. Célébrait sa fête nationale qui commémorait la découverte des Amériques il y avait 524 ans par Gérard Depardieu. Mais ce 12 octobre fut également un grand jour pour Brian qui lui célébrait l'obtention de son permis moto 6 mois auparavant jour pour jour. 6 mois c'est peu, Brian manquait d'expérience au pilotage. Allait-il en souffrir sur la longue route qui lui restait à parcourir ? Oh my gosh!
D'un point de vue purement géographique, Brian était arrivé au bout de son parcours. À Gibraltar, il ne pouvait pas descendre plus au sud, il était tout au bout de l'Europe et il était maintenant temps de faire demi-tour, de remonter gentiment vers le nord, vers la maison, vers l'hiver. Il n'en fut rien. Brian changea ses plans, il ne voulait pas rentrer. Une fois l'angoisse des premiers jours dissipée, il avait trouvé son rythme et il voulait faire durer le plaisir. Continuer à rouler vers le sud, l'Afrique était si proche finalement. Là-bas, juste de l'autre côté, elle lui tendait les bras. Et même si la décision n'était pas très prudente, Brian accepta l'invitation. Brian et sa moto embarquèrent ce jour-là sur un des bateaux qui faisait la traversée pour un nouveau pays, un nouveau continent, une nouvelle culture, un nouveau monde. Brian le constata assez rapidement. Les mers routières étaient bien différentes au Maroc. La prudence était de mise pour s'adapter aux moultes situations périlleuses sur la route. Camions à contresens, véhicules à l'arrêt en sortie de virage ou autres traversées intempestives. Lors de ses voyages précédents, Brian avait pris une habitude. Dans ce qui pouvait ressembler à un journal de bord, il dessinait pour immortaliser des anecdotes, des rencontres ou ses états d'âme. Et quand l'inspiration était là, il prenait le temps de s'arrêter, de s'installer, pour laisser son imagination guider le crayon sur le papier. La veille, Brian s'était perdu. Il n'avait toujours pas de GPS, rappelons-le, et la carte routière du Maroc qu'il avait récupérée n'était pas très détaillée. Le détour était conséquent et pour attraper sa route, Brian dut suivre un itinéraire improvisé en faisant confiance à sa carte et au panneau de direction, plutôt laconique. Mais au fil des kilomètres, ce seul itinéraire possible donnait la fâcheuse impression de devenir de moins en moins praticable. Brian ne savait pas encore dans quoi il s'est embarqué.
tort de crier victoire trop tôt. Car ce qu'il pensait être la fin des difficultés marquait en fait le début d'un nouveau chemin de croix. Alors Brian, on galère. Mais faire demi-tour maintenant était inconcevable, et il pensait que le pire était derrière lui, car, d'après sa carte, il lui restait un dernier col à passer avant de rejoindre la ville de Milette et les routes plus praticables. Normalement, la libération était proche. Il fit alors le pari, malgré son manque d'expérience et sa moto surchargée, qu'il pourrait quand même passer cette dernière difficulté. Le pari serait-il gagnant ?
sinon on l'avait laissé présager. La route était coupée. Au pied de la pelleteuse, plus de route, à la place, un trou. Mais hors de question de faire demi-tour à moins d'un kilomètre du col. La présence de ces engins attestait que la route était praticable là, juste derrière, de l'autre côté du trou, à quelques mètres. Le conducteur d'engin accepta de tasser une passerelle de fortune pour Brian. Mais il lui restait à se frayer un chemin entre la pelleteuse et le ravin, entre la machine et la mort. Ça passe pas! La valise latérale est coincée dans la chenille! La moto bascule vers le vide! Allez, allez! Brian criait victoire un peu trop tôt. Il n'en savait rien, mais pour lui, la fin de l'aventure était toute proche. Depuis quelques jours, Brian sentait monter en lui une sensation plutôt bizarre, comme une sorte de malaise, mais qui n'avait rien à voir avec l'angoisse des récentes péripéties. Plutôt une désagréable impression d'oublier quelque chose. Puis, tout à coup, il comprit. C'est arrivé comme un flash. L'aspirateur, il avait oublié d'éteindre. Depuis presque 3 semaines qu'il était sur la route, 4000 km parcourus pendant tout ce temps, l'aspirateur aspirait. Catastrophe! Pas le choix, faire demi-tour et entrer à la maison vite. On a dit vite, Brian. Plus le temps de traîner maintenant, il y avait urgence. Fini les détours, fini les petites routes pittoresques et les pistes. Maintenant, c'était autoroute à fond. Rapidité, efficacité. Le changement de logique, Brian l'avait aussi appliqué pour passer ses nuits désormais. Fini les bivouacs dans la nature, retour dans la zone de confort. Jouer contre Brian, et pour être sûr que cela soit le plus rapide possible, c'est en bateau que Brian rentrait chez lui. Heures de traversée dans une cabine confortable qui marquait définitivement la fin de l'aventure.